Good morgen, alle Iden, netus, aujourd'hui, le Nishmat, avant, Rainor, Berben, Fontaine, Vazel, Ramim, Ben Rosa, Yedida, Batester, et Allegria, Batsol, Ben Soussan, le Bet Vanish. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Erchin, Perik, Gimel, Mishnah, Aleph, Yesh, Ba'arachin, Lehakel, ou Leachmir, Bizda, Chouza, Lehakel, ou Leachmir, Beshor, Amouad, Shemid, Ata, Eved, Lehakel, ou Leachmir, Beonas, Mufato, Motsi, Shemra, Lehakel, ou Leachmir, Yesh, Ba'arachin, Lehakel, ou Leachmir, Keitzad. אחד שהעריך את הנאה שבישראל ואת הכאור שבישראל, נותן 50 סלה. ואם אמר, הרי דמיו עליי, נותן את שוויו. On débute dans notre troisième chapitre de Arachin, un sujet assez intéressant en fait. C'est, comme toute la Torah franchement, mais on va regrouper dans notre chapitre en fait toutes sortes de thèmes de la Torah, où la Torah elle a fixé une valeur fixe aux choses, une constante, alors que si on devait calculer le prix coûtant des choses, ça coûterait soit parfois nettement plus cher, soit nettement moins cher. Et en fait, la Mishnah va venir m'enseigner, tous les Mishnahs vont venir m'enseigner, regarde que en te fixant cette constante dans telle situation, qu'il s'agisse d'un dédommagement, qu'il s'agisse d'un don que tu as voulu faire, ou toutes sortes de choses qu'on va voir tout de suite, eh bien, en te fixant un prix fixe, des fois tu gagnes au change, des fois tu perds au change. Et on commence tout de suite. D'abord, de manière générale, la Torah, la Mishnah introduite. Yeshba introduit. Yeshba arachin et lakel ulachmir. Il y a dans la constante des prix fixés par la Torah, des dons que tu veux faire de telle personne, que tu veux donner la valeur de cette personne, comme ce qu'on a expliqué, la valeur estimée, le RR de la personne. Alors, dans ce cas-là, la Torah l'a délimité. Il y a une échelle pour les hommes, une échelle pour les femmes, ça varie selon l'âge, de 30 jours jusqu'à 5 ans, de 5 ans jusqu'à 20 ans, 20 jusqu'à 60 et 60 et au-delà. Et quelle que soit la personne, tu devras toujours payer le prix fixe. Si c'est un homme, 50 pièces pour un homme de 20 à 60, et si c'est une femme, 30, et c'est tout, peu importe l'homme ou la femme que c'est. Comme ce qu'on va expliquer à la fin de la Mishnah, on va pas te prendre dans les détails tout de suite, parce qu'on va le découvrir ensuite. Mais d'abord, on se familiarise avec l'idée. Bisdeh Achouza lehakel ulachmir, idem encore avec le Sdeh Achouza. On va parler cette fois-ci d'une personne qui va, par exemple, sanctifier son champ. Il va voulu faire un don à Hachem. Il a dit, je vais rendre Kadosh mon champ, je le donne pour l'honneur du Beth Amikdash. Maintenant, quoi, le Beth Amikdash, il ne va pas garder ce bien tel quel. Il va plutôt maintenant l'utiliser comme une valeur marchande, il va le revendre. Et si je veux vouloir venir le racheter, alors la Torah, c'est dans la fin de Parashat Bechukotai, pour les Français, ça va être la Parashat Hashavua. Et les Israéliens, on l'a lu ça la semaine dernière, eh bien, la Torah, elle a fixé la Torah a fixé un quota, un prix exact selon la taille du champ uniquement, quelle que soit la qualité du champ. Tout ça, on le reverra dans la Mishnah Bet, on ne va pas trop arranger tout de suite. Il y a encore un shor amouad chez Midat Ha'Eved, un shor averti, un taureau averti, qui a encore déjà trois fois, qui a tué trois personnes déjà, il va maintenant tuer une quatrième personne qui était un esclave. La Torah a fixé que tu devras, en plus de tuer le taureau, tu devras en plus de ça dédommager le propriétaire de l'esclave en lui donnant un knas, une amende fixe de 30 pièces, shloshim shaleved, un prix fixe, et donc en te fixant ce prix-là, des fois tu gagnes au change, des fois tu perds au change, tout dépend qui était l'esclave. Si l'esclave était à moitié mourant et complètement affaibli et maigrichon en chaise roulante, et que le taureau il a tué, bah franchement, si on devait prendre une personne comme ça à marcher des esclaves, il ne vaudrait pas grand chose le pauvre. Sa tête ne marche plus, son corps ne marche plus, bah, concrètement, il a plus de valeur. Et pourtant, la Torah l'a fixé de payer un prix fixe de 30 pièces. D'accord? Même principe encore. De Onès ou Mefate ou Motsishemra, qui sont trois interdits. Onès, c'est l'homme qui viole une jeune fille. Mefate, c'est un homme qui séduit une jeune fille, que la Torah impose de dédommager le père, de lui donner un knas, de lui verser un knas. En dédommagement aux souffrances, à l'humiliation, et on aura l'occasion d'en parler encore, eh bien, la Torah t'a fixé un prix fixe. Et Motsi Shemra aussi, c'est encore autre chose. Motsi Shemra, c'est celui qui s'est marié avec une femme, et le lendemain de sa nuit de noces, eh bien, il se réveille, il va au Bedin, il dit que cette femme-là, elle a déjà eu des rapports, et il la soupçonne d'avoir eu des rapports avec pendant la période du fiançailles, jusqu'au mariage, toute une histoire, c'est explicite dans la Torah tout ça, dans Parashat Ki Tetzé je crois,
On en reparlera à la fin du chapitre de nouveau. Et donc là, et après, il va s'avérer qu'il a menti. C'est un menteur, tout simplement. Alors la Torah a fixé un knas aussi à payer à dédommager au père. Ce qu'on appelle le knas de Motsi Shamra, celui qui fait sortir une mauvaise rumeur. Et en payant un prix fixe, parfois ce sera l'Ehakel, parfois ce sera l'Armir. Parfois il aura gagné à ne pas payer plus. Parfois il aura perdu parce qu'il aurait pu s'en sortir nettement moins cher. Si, par exemple, c'était une famille qui était déjà assez basse et humiliée. Et voilà, on en reparlera, Bezrat Hashem, bien sûr, dans la Mishnah. Pour le moment, on va commencer à prendre le premier cas de la Mishnah, qui est l'Arachin, et comparer. Yesh ba'arachin la'akel ou la'achmir keitzad. Il y a dans le barème fixé des arachim, des valeurs estimées de payer selon l'âge uniquement, sans s'intéresser à la qualité de la personne. Eh bien, deux fois, ce sera l'Ehakel, ce sera avec un gain au change. Et des fois, ce sera les Achmir, des fois, ce sera avec une grande perte, le fait que ce soit ainsi. Keitzad, comment se présente le cas? Illustre-moi le cas. Alors, la Mishnah continue en disant, Echad she'erich et tana'e shebe Israël. Si toutefois, tu as été ma'arich, c'est-à-dire que tu as fait le vœu de donner la valeur de ce bel homme en Israël, d'Israël. Un bel homme fort, costaud, musclé, en pleine force de l'âge. Eh bien, au marché des esclaves, ça coûte une fortune, parce qu'il est capable de vous faire décupler vos biens, il est capable de travailler, de bien gérer, de bien faire fructifier vos biens. Donc il coûte très cher un esclave pareil. Et là, pourtant, et à l'inverse, si toutefois tu as promis de donner le RR, donc la valeur estimée fixée par la Torah selon l'âge, à quelqu'un qui était kaour chez Israël, quelqu'un qui était moche, qui était faible, qui avait aucune peu de force physique. Et quoi qu'il arrive, tu as dit que tu allais donner le RR, Noten Chamishim Sala, tu devras donner 50 Sela, un prix fixe. Pour la personne qui était le grand beau gosse, eh bien tu auras gagné en payant que 50 et pas plus. Mais pour la personne qui était complètement affaiblie, mourant, crevant, eh bien dans ce cas-là, sache que quand tu vas devoir payer 50, ce sera un fardeau pour toi. Ce sera bien plus lourd que ce que tu aurais pu t'en sortir. Donc il s'avère que là tu paieras à prix coûtant. Donc ça, c'était l'Akel ou l'Achmir. Tandis que s'il avait dit que je fais le vœu sur moi de donner sa valeur marchande, alors dans ce cas-là, Notan Shogot aurait dû dans tous les cas donner uniquement sa vraie valeur. Soit pour l'esclave Bogos, donner peut-être 10 000 pièces, si tu avais fait le Neder de donner sa valeur marchande. Et pour l'esclave qui est complètement mourant, rien du tout, même pas 10 shekels, ça vaut pas le coup, ça sert à rien, c'est qu'une corvée. D'accord? Ça, c'est quand tu as donc noté net chovio, quand tu as fait le neder. Mais si tu as fait le RR, tu dois payer la constante, qui sera des fois en ta faveur et des fois en ta défaveur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.